On a senti quand même qu'il y avait plus d'aisance et plus de facilité en deuxième période. Ouais, c'est sûr, on a haussé tout de suite le ton en début de deuxième. On a réussi à jouer un peu plus haut, on a récupéré des ballons dans leur camp. Et puis bon, on a ouvert le score assez logiquement. Après, bon, voilà, un petit peu d'énervement, de friction, ce qui fait... dès qu'on est à 10, après, c'est un peu plus compliqué. Bon, la fin de match est encore pire, mais bon, voilà, on va se contenter de dire que ce soir... on a pris 3 points qui nous rapprochent un peu plus encore du titre. Et puis bah voilà, c'est le plus important. Et voilà, ça c'est les petits débordements qui arrivent. Mais bon voilà, il y a eu un peu d'animosité, un peu de d'arbitrage litigieux. Donc forcément ça crée des petites tensions. Mais bon voilà, rien de méchant. Bon, vous savez que vous avez rajouté un an de contrat à votre entraîneur ce soir, hein. Le temps d'aller 3 premiers. Ça, c'est son problème. Si lui, c'est le vôtre aussi. Nous aussi, alors tout le monde en a une de plus. Non, mais c'est beau, ça veut dire aussi que bon, voilà, vous êtes proche de pas mal de choses. Il y a des choses intéressantes à vivre jusqu'à la bout de la saison et on sent que vous êtes au bout du tunnel. Ouais. Bah, j'espère en tout cas. Ça fait 2 ans qu'on s'accroche pour essayer d'avoir cet objectif-là. Et voilà, on est de plus en plus près. Et, j'espère qu'on sera heureux dans la semaine prochaine ou dans 15 jours. Ouais, je vous le souhaite en tous les cas. Merci. Allez. En tous les cas, on a vu une fin de match un peu houleuse, mais bon, c'est important aussi, dans un match de football, il existe plein de choses. Toi, comment tu l'as senti ce match? Comment tu l'as suivi? Comment tu as senti ton équipe? Est-ce qu'elle était capable de mieux faire ce soir? Je pense qu'on était capable de mieux faire. Malheureusement, comme souvent c'est le cas, et trop souvent le cas depuis le début de la saison, on a du mal aux entames de seconde mi-temps. On est un peu attentiste. On a été punis, on aurait pu l'être davantage. Ensuite, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme les Parisiens... On a oublié de totaliser, on est revenu dans la partie et on aurait pu, je le pense, ça devait être mérité, on aurait pu égaliser. Et si j'en juge à l'attitude de Matuidi, il doit être content d'être champion de France. Il doit être content en tous les cas. Enfin, en tous les cas, pour revenir aussi sur ce match-là, tu attendais beaucoup. Jouer le maintien, c'est pas évident. Vous êtes dans la coupe, vous êtes dans le maintien. Il faut un état d'esprit, il faut être toujours présent dans tout ça. C'est pas évident, je suppose, pour un entraîneur de gérer tout ça. Hein. Non, surtout quand on n'est pas un, donc. Oui, c'est vrai, en plus. Tu n'as pas les diplômes, je vais te les donner après ce match. Non, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, ce soir, même si c'était le PSG, nous n'avons pas marqué de points. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le plus dommageable pour nous. Il nous reste 4 matchs. Nous devons notre salut aujourd'hui qu'à la différence de but. Espérons que l'attitude que les garçons ont développée ce soir, ils le développeront encore pendant les 4 dernières rencontres. J'ai bon espoir. Ok, en tous les cas, on te remercie de ton accueil, tout ce qui s'est passé ce soir. Merci à toi. Merci, Paga. Merci. Merci.